Chers abonnés de Mincir Stop à la Torture, bonjour. Donc je suis aujourd'hui avec Fabrice. Bonjour, bonjour à Fabrice. Tous. Vous allez adorer aujourd'hui Fabrice parce qu'il va notamment vous expliquer comment vous pouvez combiner votre perte de poids en consommant, si j'ai bien compris, des petites pâtisseries. Tout à fait, oui. Alors Fabrice, est-ce que déjà tu peux te présenter peut-être à nos auditeurs et donc présenter ton activité aussi? Donc moi je suis coach neurocomportementaliste en nutrition. Je pratique la méthode mère. Le credo de la méthode mère, c'est mincir, c'est d'abord dans la tête. Et le but est de se libérer des obsessions de l'alimentation et de mieux gérer ses émotions pour mincir durablement. Voilà, parce que si toi et moi on se voit aujourd'hui, j'imagine que c'est parce que, enfin c'est pas j'imagine, je sais que tu pratiques une méthode où on n'est pas dans le contrôle, dans la privation, dans la restriction, on est sur une méthode qui va rendre la personne plus libre et plus autonome dans son parcours de perte de poids, c'est bien ça? Tout à fait. Alors est-ce que tu peux m'expliquer exactement comment ça fonctionne? Tu m'as beaucoup parlé du rôle du cerveau, comment ça fonctionne par exemple? J'ai notamment une auditrice qui m'a écrit cette semaine et qui avait une question pour toi. Elle te disait, ben voilà, moi je viens dans ton cabinet, je connais pas la méthode, je viens pour la première fois, qu'est-ce que tu m'expliques? Alors déjà la méthode mère en fait, elle s'appuie sur trois axes. Le premier axe c'est l'axe sensoriel, c'est-à-dire c'est réapprendre les sensations de faim, attendre d'avoir faim pour envisager de manger. Dès lors qu'on a faim, se focaliser sur instinctivement qu'est-ce que j'ai envie de manger, ce qu'on appelle l'appétit spécifique. D'accord. Le fait d'attendre d'avoir faim va faire que on va avoir une envie particulière d'un aliment. Si on n'attend pas d'avoir faim, on aura tendance à prendre plutôt les aliments qu'on mange d'habitude, à faire toujours le même petit déjeuner et de rentrer dans des routines. Exactement. Donc ça c'est la première étape, apprendre à avoir faim, apprendre la satiété, donc savoir quand on a suffisamment mangé sur le thème de la quantité, apprendre le rassasiement qui est la quantité plus la diversité. Est-ce que j'ai mangé suffisamment de mon plat principal, plus un petit peu des laitages ou le fruit ou quelques carreaux de chocolat? Ça, c'est vraiment toute la diversité de la prise alimentaire sur le moment. C'est être rassasié. Et puis, ce qui est important, c'est que c'est sur cet aspect sensoriel, c'est un réapprentissage de sentir avec précision, comment dire, à tel moment, j'ai faim d'une petite collation ou de faire un vrai repas. D'accord, donc c'est donc vraiment... de sortir aussi des préconisations, faites 3 repas par jour, etc. C'est d'être à l'écoute de son corps au jour le jour. D'accord, donc si j'ai bien compris, tu as ta sensation de faim, il y a comment j'ai faim, est-ce que j'ai très faim ou est-ce que j'ai une petite faim, voilà. D'accord. Et donc on n'est pas obligé de manger comme on le recommande 3 fois par jour, on peut avoir son propre équilibre alimentaire en fait. D'accord. Alors, je me mets dans la peau d'une personne qui a toujours un peu, tu vois, connu les régimes où on te dit que c'est dans l'assiette, où il faut manger les protéines, laitages, machin et tout. Toi, tu lui dis, bah, voilà, aujourd'hui, il va falloir écouter vos sensations, il va falloir écouter votre faim, votre satiété. Peut-être qu'elle ne connaît pas du tout ces sensations. Donc, comment, les premières étapes, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu lui expliques pour la rassurer? Alors, je vais lui faire un parallèle très simple. Admettons, le voyant de la voiture, le voyant d'essence clignote. Il ne viendrait pas à l'esprit de mettre de l'huile alors que la voiture réclame de l'essence. Ah, d'accord, ça va mal se passer sinon. Ça va bien. Donc nous, notre corps, il est comme une voiture. Il a besoin d'essence, il a besoin d'huile, il a besoin, mettons, je sais pas, du lave-vitre pour bien nettoyer son pare-brise, etc. Et bien, notre corps, il va réclamer, selon certains moments, plutôt des glucides, plutôt des protéines, ou alors les deux. Oui. Et donc, dès lors qu'on attend d'avoir faim, il y a effectivement des voyants qui s'allument. Et le but de la méthode, c'est déjà de réapprendre à sentir ces voyants s'allumer et à les écouter. D'accord. Oui, tu as raison. Moi, ce que j'ai tendance à un peu oublier, c'est que la première étape, c'est vraiment d'avoir faim. Bien sûr. Ouais. Donc, tu différencies vraiment les envies de manger. Là, on n'est pas sur l'envie de grignotage, ouais, tout ça. Ça, je vais y venir. Voilà. Alors, comment tu identifies la faim? C'est des signaux dans le ventre? C'est ça. C'est ça. Hein, c'est vraiment le ventre qui gargouille. Oui. Alors, le meilleur parallèle, c'est lorsqu'on a une véritable envie de faire pipi, c'est évident. Oui, c'est vrai. D'abord, au début, on a un petit peu envie. Si on peut se soulager, on le fait. Si on y arrive, si on a, par exemple, je sais pas, on est en réunion au travail, on ne peut pas, on va attendre. Et puis à un moment, l'envie va devenir de plus en plus pressante. Donc ça monte de manière chronologique, progressivement. La faim, c'est la même évolution, normalement. Donc le but, c'est d'arriver à ressentir la faim de manière aussi probante que de ressentir une envie de faire pipi. Mm-hmm. Et de sentir au niveau physique. D'accord. Donc effectivement, ça se passe au niveau de l'abdomen, comme tu dis. L'estomac. Et c'est ces signaux-là. Il y a le gargouillement, il y a une sensation de vide, il y a une sensation de rétractation de l'estomac. Et les personnes qui sont en surpoids sont très souvent coupées de ce ressenti. Ou elles en sont coupées, ou alors lorsqu'elles l'identifient, le moindre signal va les alerter.
D'accord. Et du coup, comment ça se passe pour ces personnes, justement, si elles sont coupées de leur faim? Est-ce qu'il faut vraiment... Est-ce que c'est dans l'attente? Est-ce que c'est, si j'ai dépassé un certain délai, bah, faut quand même que je mange parce que ça fait 2 heures, 3 heures que j'attends et qu'il n'y a toujours rien eu? Comment ça se passe pour les personnes qui sont coupées? J'ai envie de dire, il n'y a rien à faire. Il y a juste à attendre et attendre que ce soit évident. Et ça viendra. Et ça viendra. D'accord. Alors, j'ai une autre question aussi. Tu sais, je m'intéresse un petit peu à la naturopathie et on dit parfois que certaines associations alimentaires ne vont pas forcément ensemble. Alors, moi je crois qu'en matière d'alimentation, il n'y a pas une seule vérité, que chacun a son propre équilibre. Mais par contre, est-ce qu'il y a des associations alimentaires qui sont déconseillées dans la méthode mère, ou est-ce que le cerveau sait toujours quelles sont les bonnes associations pour soi? Qu'est-ce que tu recommandes là-dessus? C'est exactement, c'est le corps qui le sait, et qui envoie effectivement, on revient au parallèle de la voiture, il se peut qu'à un moment, la voiture ait à la fois besoin d'essence et à la fois besoin d'huile au même moment. Donc nous, notre position méthode mère, il n'y a pas d'association néfaste ou pas néfaste dès lors qu'on écoute son corps. Et est-ce qu'il peut être déréglé dans des cas, tu vois, de surpoids ou d'obésité où ça fait des années que j'écoute plus mon corps? Est-ce que ce système peut se dérégler? Comment on peut vraiment lui faire confiance, tu vois? Je vais te donner un exemple, une personne qui, ben, comme tout à l'heure, qui aurait toujours vécu dans la restriction, la privation alimentaire. De manger de façon peut-être trop répétée en trop grosse quantité, ça peut dérégler ce lien avec cette communication avec son cerveau? Je vois pas trop ce que tu veux dire. C'est peut-être moi qui m'exprime pas très bien, tu vois. Donc si le cerveau t'envoie, une envie d'aliment particulière, par exemple une envie de légumes, une personne qui te dirait, moi j'ai que des envies de sucre. Est-ce que ça peut être un dérèglement de ce système-là, ou est-ce qu'on peut toujours faire confiance aux envies qu'on ressent? Alors, je vais parler de la suite de la méthode, et du coup, ça va me permettre de répondre à la question, notamment sur les envies de sucre et sur le dérèglement. Okay. Donc là, j'ai évoqué le premier aspect de la méthode mère, qui est l'aspect sensoriel. Mm-hmm. Le deuxième aspect, c'est le lien avec les émotions, puisque notre credo, c'est mincir, c'est dans la tête. Donc c'est que nous mettons en avant que la véritable cause du surpoids, c'est avant tout une cause émotionnelle et comportementale. C'est-à-dire que, d'une part, la personne s'est coupée de ses ressentis corporels, mais au départ, c'est parce qu'elle a commencé à manger sans avoir faim, parce qu'elle avait besoin de quelque chose pour calmer ses émotions. Et effectivement, lorsqu'on est soumis à une émotion très forte et qu'on n'arrive pas à la canaliser par soi-même, l'alimentation et notamment des aliments très sucrés vont immédiatement agir sur le plan neurologique pour calmer l'émotion. Tout à fait. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a un coup de cafard, on va rarement se jeter sur des haricots verts, sur commencer à manger des carottes crues ou sur une laitue. On va aller sur du chocolat, des biscuits. Dès lors que j'ingère un aliment très très sucré, ce sucre va immédiatement passer dans le sang, très très rapidement, et va libérer au niveau du cerveau notamment des endorphines comme la dopamine, et va apaiser l'émotion, va faire que la personne va Dans les 10 minutes, déstresser, se sentir mieux, se soulager. C'est le même, un effet similaire à celui de la nicotine, de la cigarette ou de l'alcool. D'accord. On parle d'addiction, hein. On parle effectivement d'addiction et d'intolérance émotionnelle. Donc le deuxième axe de la méthode mère, ça va être de réapprendre, d'une part, à faire le parallèle entre les ressentis corporels et l'émotion. Oui. Une émotion, c'est aussi le corps qui se manifeste d'une certaine manière. Et en fait, si je n'arrive pas à calmer mon émotion, c'est parce que je n'ai pas aussi senti mon corps au moment où l'émotion se manifestait. Donc quand l'émotion se manifeste, elle est déjà à un niveau très très élevé, sur le plan cérébral, qui fait qu'elle me submerge complètement. Et donc tu proposes ce travail sur les émotions en combinaison? D'accord. Et comment ça se passe? Est-ce que tu proposes des séances de relaxation? Quelle méthode tu utilises pour ça? Alors je vais inviter mes clients, dès lors qu'ils ont une crise, une envie de manger soudaine, à noter le moment, ce qu'elles ont eu envie de manger, et à noter les ressentis corporels et à nommer les émotions. Donc à essayer de mettre en parallèle une émotion à une envie de manger. Et après je vais leur donner des techniques gestion du stress peut-être. Gestion du stress, il y en a différentes, certaines sont plus sensibles à certaines techniques qu'à d'autres. Oui. Mais pour apprendre à apprivoiser, on utilise le terme d'apprivoiser, c'est comme si l'émotion était une bête sauvage, on cherche à apprivoiser pour faire cesser l'envie de manger.
Donc en gros, c'est pas grave si on mange sur le coup de l'émotion. Au début, c'est peut-être même normal quand on vient de voir. Au début, oui, tout à fait. Oui. Et puis avec le temps, avec cette gestion, on apprend à diminuer ces moments de grignotage émotionnel. C'est ça. D'accord. Tout à fait. Oui, donc c'est vraiment très complet. Et je pense qu'au niveau du cerveau, c'est aussi. C'est une meilleure gestion en fait de l'hygiène de vie globale. Globale. Ouais, d'accord. Et le but aussi, c'est lorsqu'on est dans le fait d'apprivoiser l'émotion, il n'est pas question de chercher à se changer les idées. Sous-entendu, parfois on écoute, voilà, si vous avez une envie de manger, buvez un verre d'eau, ou faites-vous couler un bain, ou faites-vous autre chose. Mais ce n'est qu'en fait détourner le problème ou le reporter à plus tard. Ah, je dis ça moi des fois. Prenez un magazine. Prenez un bain, je dis souvent, tu vois. Et donc ça, en fait, ça fait que détourner l'émotion, mais elle n'est pas réellement acceptée. Elle n'est pas acceptée, elle n'est pas canalisée. D'accord. Donc, il est fort possible que là, ça peut faire l'effet de la calmer momentanément, mais elle va revenir. Là, le but, c'est de l'accepter, de l'accueillir et de l'apprivoiser. Vous avez entendu, hein, chers auditeurs, écoutez Fabrice aujourd'hui. Alors, tu as aussi, sur ton Facebook, là, il y a quelques jours, parce que je suivais tes actualités, j'ai vu que tu as publié une magnifique photo de petite pâtisserie, un peu provocatrice d'ailleurs, hein, en disant, mais j'aime bien ce petit côté provocateur, qui disait, est-ce que vous pensez vraiment que vous avez besoin de vous priver de ces aliments-là pour mincir, parce qu'on vient de comprendre que dans la méthode mère, du coup, c'est possible d'en consommer. Est-ce que c'est normal que le cerveau puisse demander à un moment d'un repas une envie de sucre raffiné? Tu sais, le sucre raffiné est très controversé en ce moment. Est-ce que c'est normal de temps en temps d'avoir faim et de manger un repas de sucre composé essentiellement de sucre raffiné? Alors, la plupart des pâtisseries qu'on peut voir dans les boulangeries ou dans les pâtisseries, il y a effectivement du chocolat, du sucre raffiné, du beurre, ce qui va... Okay, il y a tout ce qui pourrait être diététiquement diabolique. Oui. Nous, dans notre position, c'est très clair que dès lors qu'on écoute sa faim, on va faire son repas, sa prise alimentaire, et si le corps à ce moment-là a besoin de cette pâtisserie-là, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Et au niveau des résultats, comment tu mesures les résultats de perte de poids? Est-ce qu'il faut se peser toutes les semaines? Est-ce qu'il faut se peser tous les mois? Quels sont les résultats sur le long terme que tu obtiens? Je reviens juste sur cette notion de pâtisserie. Oui. Plus en fait on va être à l'écoute des sensations instinctives d'appétit spécifique, et moins en fait on sera en mesure de s'abuser en cumulant les pâtisseries. Oui, c'est dans la quantité. On va trouver ça forcément écœurant. Tout à fait. Si on écoute son cerveau, en fait, il aura très peu envie de sucre rapide quand même. Quoi. Non, et en tout cas, la quantité, elle va être réduite à une pâtisserie d'une certaine taille, et il n'y aura pas cette dimension j'engloutis des pâtisseries. Ça va être je savoure. Oui, dans le moment qu'on va s'accorder. C'est vrai que quand on comble sa faim, c'est quand même quelque chose d'agréable, alors que quand on est dans l'émotionnel, c'est du gavage presque. Hein. C'est ça. Oui, de la souffrance aussi. Ok. Donc je reviens moi sur ma question. Comment tu mesures les résultats? Donc est-ce que tu conseilles à tes clients de se peser toutes les semaines, tous les mois? Quelle est l'évolution de la perte de poids avec cette méthode? Quel retour tu as toi, selon ton expérience, comment ça se passe? Alors moi je leur conseille surtout d'arrêter de se peser tous les jours, ou plusieurs fois par jour, ou tous les deux jours. Ou de se dire aujourd'hui j'ai fait très très attention à ma faim, donc dès demain il faut que j'ai tout de suite le résultat. Donc la balance est une chose, ça peut être bien de se peser une fois toutes les semaines, tous les 10 jours, c'est un ordre de grandeur qui est bien. Le premier indicateur moi, auquel je m'attache, ça va être surtout le volume et donc la sensation dans les vêtements. Puisque en fait, mes clients, la première chose qui se manifeste sur le plan corporel, c'est qu'elles dégonflent. C'est qu'elles perdent du volume parce que dès lors qu'elles vont commencer à mieux gérer les émotions et à faire baisser le niveau de tension interne, le corps en fait qui s'était, on va dire, qui avait augmenté son volume avec une sorte de réaction de protection, va diminuer en volume. Va aussi avoir un processus d'élimination de la rétention d'eau, oui. Et avoir aussi d'élimination d'eau qui va faire que dès les premières séances, elles se sentent dans leur... les robes références ou les vêtements références, elles vont sentir qu'elles ont dégonflé. D'accord. Et après, la perte de poids, c'est-à-dire le fait de brûler plus de tissu adipeux, de graisse, oui. Va se faire progressivement. Oui, c'est logique aussi que si tu consommes des quantités plus petites parce que tu t'arrêtes à satiété,
C'était pas un excès alimentaire, en fait. Est-ce qu'il y a des... Je me pose la question, tu sais, sur le niveau psychologique des personnes qui seraient dans le déni et qui auraient tendance à être en sous-nutrition, à avoir du mal à écouter leur cerveau et peut-être à avoir peur et se nourrir moins et se retrouver carencé. Ça arrive, ça? Est-ce que tu as déjà rencontré des clients qui mangent pas assez au final ou qui ont peur de justement de leur satiété et qui préfèrent manger moins et qui au final risquent de se retrouver carencés? Non, ça m'arrive très très peu. La remarque que j'ai par rapport à la faim et la satiété, c'est que la faim, c'est assez facile de commencer à l'identifier. Mm-hmm. La satiété, c'est plus dur. Oui, c'est le retour que j'ai également. Et pour ça, comment tu rassures tes clientes peut-être qui vont se décourager ou te dire voilà, j'arrive pas à ressentir ma satiété, de toute façon je mange trop. Comment tu les rassures? Comment tu les encourages à persévérer? Alors il faut savoir que la sensation de satiété varie selon chaque aliment. Donc il y a des consignes pour réapprendre la satiété en ne mangeant par exemple au déjeuner qu'un seul type d'aliment. D'accord. Pendant 4 jours, la personne va prendre un aliment souvent diabolique et ne manger que cet aliment-là pour s'entraîner à sentir la satiété. C'est comme si c'était un entraînement avec, on va dire, une épreuve de force. Tous les jours, je prends un poids, j'essaie de le soulever et je vois si je progresse au niveau force pour soulever mon poids. D'accord. Là, c'est tous les jours avec le même aliment, je m'entraîne à savoir où je peux m'arrêter. D'accord. Et un aliment diabolique de préférence? Diabolique, ça peut être un gâteau. Mais elles vont t'adorer. De la pizza, simplement le repas, le déjeuner. Et je dois être dans quel état d'esprit quand je fais cette... Je suppose que je dois manger doucement, que je dois être détendue. Ouais, que... Voilà, il y a l'état émotionnel qui va avec ça. Est-ce que tu as développé donc là les 2 premiers piliers de la méthode? Est-ce que tu veux revenir sur le troisième? Alors, le troisième, c'est effectivement, je crois que ça fait écho à une question sur les croyances. Donc oui. Peut-être tu peux évoquer la question. Ben, je ne l'ai plus en tête, mais effectivement, je crois que les croyances jouent beaucoup sur l'alimentation, sur la qualité, sur ce qu'on a, la qualité de notre nourriture, et puis la façon dont on se nourrit, et puis les croyances qu'on a sur notre poids aussi. Hein. Enfin, j'entends si souvent, toute ma vie, il faudra que je lutte avec le poids. Alors déjà, quand tu as cette croyance-là, tu es d'accord que ça annonce un petit peu mal les choses. Donc, voilà, comment la méthode MIR permet de... Peut-être, c'est une progression sur ces croyances, ou une identification des croyances sur laquelle vous travaillez? Alors effectivement, il y a des personnes qui vont considérer que la vie est un combat, il y a des personnes qui ont un rapport au jugement d'elles-mêmes, jugement des autres, il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés avec la communication, difficultés à exprimer leurs ressentis, donc à avoir tendance à conserver pour elles leurs émotions. Tous ces comportements, que nous appelons des comportements inconscients, oui, proviennent des mémoires héritées, acquises et vécues. Les mémoires héritées, c'est ce qui a été transmis par la sphère parentale ou le substitut l'éducation. De sphère parentale, les valeurs de l'éducation. Mm-hmm. Il y a l'éducation, mais aussi le mimétisme aussi des comportements par rapport aux parents. Tout à fait. Par rapport à la sphère familiale. Il y a l'acquis de l'enfant, donc le vécu d'enfant. Mm-hmm. Et vécu d'adulte. D'accord. Donc tout ceci combiné fait que nous sommes ce que nous sommes et crée des comportements qui sont le plus souvent réactifs plutôt que créatifs. Et en réaction vis-à-vis de nos propres croyances, en fait, hein, c'est ça. Voilà, et aussi vis-à-vis des événements extérieurs. D'accord. D'ailleurs, si tu permets, j'aimerais lire ce que j'ai noté parce que je trouve que ça s'y prête bien. Oui. Donc c'est justement sur un article qui parlait de la méthode mère et qui disait « Vivre la vie comme un combat, ne pas se sentir à la hauteur, avoir peur d'affronter les autres, leur jugement notamment, ne pas savoir poser ses limites, faire passer les autres avant soi, donc ne pas reconnaître sa propre valeur et avoir peur de l'avenir sont autant de circonstances qui vont pousser l'individu à se sentir en insécurité face à la vie. » Donc c'est ce dont tu nous parles. Et puis donc, on nous explique que la réponse du corps face à toutes ces croyances et toutes ces peurs, c'est de s'armer pour se défendre contre ces agressions. Et donc, au final, l'alimentation peut être aussi perçue comme une façon de s'agresser. Dans certains cas d'obésité. Mm-hmm. Donc, tu es dans ce réapprentissage-là avec la méthode d'un rapport pacifique à la nourriture, aux autres et à soi-même, c'est ça? Oui, alors il y a ça, et il y a le fait d'être dans cet état d'esprit, donc d'avoir ces tensions internes qui sont récurrentes et qui sont même constantes, fait que le corps, c'est le terme de gonfler,
Mais lorsqu'on observe les animaux dans la nature, lorsqu'ils ont des prédateurs, lorsqu'ils sont en situation de danger, il y a beaucoup d'animaux qui essaient de gonfler leur corps pour effrayer le prédateur. Oui. On a l'exemple du chat qui va avoir ses poils qui se dressent, qui va se dresser comme ça. Donc, c'est des réactions face à des états de stress ou de danger. Donc, une personne qui inconsciemment est dans cette situation-là, en fait, par des mécanismes biologiques, notamment la sécrétion du cortisol, a son corps qui, chaque cellule de son corps, qui augmente en volume et occupe plus de place en réaction. Tu sais que je travaillais. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est moi. Ça veut dire qu'en fait, ça dépasse le stade d'alimentation, le surpoids. Le surpoids et le volume, le survolume, ça dépasse largement le stade de l'alimentation. C'est-à-dire qu'à alimentation égale, une personne va stocker plus et va avoir plus de volume dès lors qu'elle est dans ces comportements-là. Ça, je pense d'ailleurs que ça ne te surprendra pas, j'allais ajouter pour te rejoindre, j'ai accompagné des femmes qui étaient victimes d'agressions sexuelles, enfin qui ont été victimes d'agressions sexuelles, et c'est vraiment bluffant de voir que tu peux les mettre au régime, changer leur alimentation, si leur corps continue à se sentir en danger, elles ne perdront pas de poids. C'est vraiment l'autoprotection, c'est fort quand même, cette physiologie. Donc on a c'est un réflexe instinctif en fait. Ouais. D'accord. Donc nous, on s'érisse pas, on sécrète du cortisol et puis on se protège de cette façon. Ça. Ok. Et donc les mots que tu as, enfin le texte que tu as lu, c'est une interview de Nathalie Maire dans le site Énergie Santé. Tout à fait. Donc c'est Nathalie Maire, elle s'est beaucoup penchée sur ces notions de transmission épigénétique, de comportement. Il y a beaucoup de personnes qui disent « mais moi c'est normal que je sois en surpoids puisque ma mère était en surpoids, ma grand-mère était en surpoids » et disent que c'est la génétique. Ouais. Et il y a beaucoup d'études maintenant qui mettent en avant que ce n'est pas génétique, c'est épigénétique. C'est-à-dire que ce n'est pas le gène qui transmet le surpoids, c'est la manière dont les gènes sont lus et aussi dont les comportements sont transmis. Voilà, puis la réaction face à l'environnement en fait. Exactement. Voilà, si on reparle de l'exemple de l'agression sexuelle, admettons, à une génération où il y a effectivement une agression sexuelle, ou même quelque chose de encore plus grave, un véritable viol, ce qui va être transmis de manière épigénétique et comportementale, parfois à plusieurs générations, c'est peut-être l'homme est dangereux. Oui. Et donc, c'est une personne écoutera de sa mère toute son enfance, méfie-toi des hommes, ils sont très dangereux. Et donc, dans son rapport avec les hommes, ou peut-être lorsqu'elle sera en couple, aura toujours cette sensation de danger, ce besoin de se protéger. Ouais. Et donc, ça peut être des personnes qui vont renier leur féminité, qui vont avoir qui vont essayer de masquer leurs atouts, leurs attributs sexuels, et aider dans ce rapport-là. D'accord. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question c'est comment en sortir. C'est-à-dire comment prendre conscience de ces comportements inconscients et s'en libérer progressivement. Et est-ce qu'on y arrive ? Alors, est-ce qu'on y arrive ? Ça, c'est une bonne question. La question, c'est déjà comment on peut commencer. Je suis trop curieuse. À y arriver. Non, mais c'est comment on peut commencer à y arriver ? Il y a plusieurs étapes. Les étapes, ça va être la prise de conscience, ça va être l'acceptation, ça va être l'expérimentation et ça va être la modélisation. Ça va être en fait au quotidien, d'arriver à repérer un comportement, à l'accepter, et au moment où on le repère, à essayer de l'expérimenter pour, dans l'expérience, vraiment... comprendre qu'il n'y a pas de danger. Voilà, essayer quelque chose, essayer quelque chose de différent. C'est comme quelqu'un qui aurait peur de l'altitude, c'est de progressivement monter sur une chaise, puis après monter sur un escabeau, monter sur une échelle, et petit à petit, vraiment monter graduellement... pour que le cerveau comprenne qu'il n'y a pas de danger. Voilà, mais par l'expérience. Je crois que c'est Christophe André qui fait un très très beau travail là-dessus aussi. Donc, de toute façon, tous les liens donc, du site de Fabrice et donc, de l'article dont on parlait seront sous la vidéo, parce que peut-être vous aurez envie de le contacter, d'en savoir plus. Et donc, toutes les références de ce dont on parle aujourd'hui seront disponibles donc, dans la barre d'infos, voilà, pour nos auditeurs. Je voudrais te demander également... Tu allais dire sur Christophe André, qui fait un travail dessus. Oui, ça, sur les... il a écrit un livre qui est notamment sur les peurs, c'est à ça que ça me faisait penser quand tu parlais. Oui, tout à fait. Psychologie de la peur, et où il parle justement que bah, tu as peur des araignées, ça sert à rien, qu'on t'amène une migale, c'est pas ça qui va soigner ta peur. C'est petit à petit, j'ai peur des araignées, hein, donc je sais de quoi je parle, de rester dans une voiture où tu as une araignée qui se balade, déjà tu commences à habituer ton cerveau à ce qu'il n'y ait pas de danger. Et bah, du coup, tu fais le même travail avec la nourriture. Et par rapport aux peurs, aux situations où on se sent agressé. C'est passionnant, je trouve, vraiment. Une femme enceinte, dis-moi. Une femme enceinte qui veut suivre la méthode mère, est-ce que c'est possible ?
Parce que les envies sont peut-être différentes dans ce moment de la vie. On parle souvent des envies de fringales des femmes enceintes. Est-ce qu'il faut les écouter? Est-ce qu'il ne faut pas les écouter? Est-ce que c'est le besoin du bébé? Est-ce que tu accompagnes des femmes enceintes? Est-ce que c'est possible déjà? Alors, moi, j'ai pas de femmes enceintes qui sont venues à moi. Oui. J'aurais plutôt envie de dire qu'elles vivent leur grossesse tranquillement. Oui. Et qu'on en parle après. Oui. Voilà, après, ça peut être envisageable si la personne avait déjà des difficultés émotionnelles. Donc il y avait déjà une tendance à calmer ses émotions par l'alimentation et qui s'angoisse en fait à l'idée de devenir mère. Parce que là, il peut y avoir déjà des comportements inconscients sur le rapport parental, la prise en charge de l'enfant, ça peut être le jugement, est-ce que je serai une bonne mère. Donc ça peut être effectivement un catalyseur de comportements inconscients qui se manifestent plus. Oui, on n'est pas du tout sur une envie de mincir hein, par rapport à la grossesse. C'est plutôt, je me disais, est-ce qu'on peut faire confiance aussi à son cerveau, ou est-ce que les femmes qui ont vraiment peur de prendre beaucoup de poids pendant la grossesse, déjà rien que le fait de pouvoir manger équilibré, je me demandais est-ce qu'on peut écouter ses envies, ses fringales, ou voilà, c'était ça ma question. Alors, c'est un excellent exemple d'appétit spécifique, la fringale de la femme enceinte. Oui. C'est-à-dire que des femmes enceintes vont d'un seul coup avoir envie d'un steak frites. Ouais. On va avoir spontanément envie de saucisson ou de... Il n'a pas dit de fraise, hein, il a dit de saucisson. Allez, les fraises, si, allez. Ou de fraise. Je pense que le saucisson plaira plus à mes auditeurs que les fraises. Je t'écoute. Donc ça, tu vois, c'est typiquement l'exemple où le corps, il y a un homéostase, c'est-à-dire une variable de nutriments du corps qui a baissé et qui fait immédiatement... Il y a un voyant qui s'allume et qui dit « envoyez des fraises ». Et donc, spontanément, il y a l'envie de fraise. Spontanément, il y a une envie de steak frites. Mais toujours dans la faim. Ah, bien sûr. Toujours dans la faim, d'accord. Oui, là, c'est quand même c'est des très grosses fringales. Hein. C'est... Voilà, on n'est pas sur toujours l'envie compulsive d'aliments, on est vraiment sur la sensation. Non, là, c'est vraiment, il y a besoin, il y a les voyants, si je reprends ma voiture, il y a voyants d'essence et voyants d'huile qui clignotent très très fort. Hein. D'accord. Et alors, j'ai une autre question qui me vient. On dit souvent que le cerveau adore les habitudes. C'est vrai, hein, on s'assoit tout le temps à la même place, oui. Au bout de 3 jours de séminaire, tout ça. Est-ce que du coup, si on écoute notre cerveau quand on mange, est-ce qu'on risque pas de manger tout le temps la même chose? Est-ce qu'il sait faire la différence entre nos habitudes et ce dont on a réellement besoin? Alors, dès lors qu'on écoute, avant tout, c'est écouter son ventre. Donc, c'est d'attendre d'avoir faim, oui. Pour commencer à manger. Et au contraire, lorsque je prends mes clients, par exemple, je leur vois très souvent, je vois des clients qui ont toujours le même petit déjeuner. Oui, par exemple. C'est le même bol de céréales avec le jus de fruits, ou alors d'autres, ça va être toujours les mêmes tartines avec le café. Mm-hmm. Et avec en fait la même garniture de la tartine, c'est pas un beurre ou des choses comme ça. Si on écoute vraiment sa faim, on va avoir des repas extrêmement variés, et des petits déjeuners extrêmement variés. Oui, normalement il y a de la diversité en fait. Exactement. Donc si on est trop dans l'habitude, c'est peut-être un signe justement qu'on a besoin de venir te voir parce qu'on n'est pas au point avec ce système, on n'est pas dans l'écoute. C'est certainement un signe qu'on est dans la programmation ou dans le fait de suivre un programme prédéfini ou de suivre des préconisations prédéfinies. Oui, ça rassure quelque part. Hein. Parce que en fonction de la météo, en fonction de l'activité physique, de l'activité intellectuelle de chaque journée, on a des dépenses différentes. Tout à fait. Selon la météo, s'il fait très très chaud, on va avoir besoin de plus d'aliments riches en eau. Mm-hmm. S'il fait très froid, on va avoir besoin d'aliments plus caloriques. Donc, forcément, ça doit varier d'un jour à l'autre. Ok. Une deuxième question d'une auditrice de mincir stop à la torture. Alors, c'est un sujet en fait qui est très important, qui est parfois mal compris de l'entourage. Cette personne, elle a tout le temps faim. Mm-hmm. Et elle dit vraiment, moi, c'est pas son entourage lui dit, mais attends, c'est un caprice, tu peux pas avoir faim tout le temps. Mais elle a tout le temps cette sensation de faim. Alors je sais qu'il y a deux types de faim. Il y en a une qui est la faim physiologique vraiment avant de passer à table, et il y a une autre faim qui est déclenchée par les sens. Tu vois un beau gâteau, tu peux avoir les mêmes signaux de faim que ceux avant un repas. C'est peut-être le cas de cette personne. Alors est-ce qu'elle peut venir te voir et comment elle peut apprendre à, je sais pas, à comprendre pourquoi elle a faim comme ça toute la journée, peut-être même la nuit, je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette femme? Effectivement, il serait intéressant de voir si ça se manifeste la nuit. Donc ça, c'est une première chose. C'est différent de quand ça se manifeste le jour? Oui, je pense que... D'accord. C'est une question qui est très très spécifique. Et, il en faut plus aussi. Il en faut plus. Je vais juste vous donner des axes de réflexion et des axes de recherche. C'est dès lors qu'elle a mangé,
et qu'elle a mangé justement arrivé à un état de satiété où elle est bien, de voir combien de temps s'écoule avant qu'elle ressente à nouveau de la faim. D'accord. Si c'est un quart d'heure, par exemple, il y a de très fortes chances que ce ne soit pas de la faim. Ouais. Si c'est même une demi-heure, il est très très rare qu'on ait faim alors qu'on était à satiété une demi-heure avant. Après, si par exemple c'est après un déjeuner et que le déjeuner était orienté crudité, peut-être que c'est que parfois elle a une tendance à la restriction ou elle n'ose pas manger les aliments caloriques qu'elle aurait besoin, enfin suffisamment caloriques, exemple des pâtes, dont elle aurait besoin sur le moment. Oui, ça, ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle aurait une approche cognitive de l'alimentation, disant j'ai envie de pâtes, mais je crois que ça va me faire grossir, donc je mange des légumes. Et en fait, elle n'est pas rassasiée. C'est un autre axe de réflexion. Mmh. Et puis, il y a effectivement des composantes en fait, émotionnelles qui font que les personnes sont tellement sous l'emprise de l'émotion qu'elles s'auto-persuadent qu'elles ont faim. Mmh. Peut-être la peur de manquer aussi. Il y a la peur de manquer et ça peut même créer des réactions vraiment physique, ça peut être du trac, ça peut être... Donc dans tous les cas, c'est pas le cerveau qui lui dit tout le temps, tu as faim. C'est d'autres mécanismes qui rentrent en jeu. C'est d'autres mécanismes. Mais je pense aussi que c'est une difficulté à bien sentir le corps. Il y a vraiment une démarche à mener pour mieux ressentir la sensation de faim. Mmh. Aussi, lorsque elle ressent une nouvelle faim, c'est d'attendre une demi-heure et de voir ce qui se passe. D'accord, ce délai. Voir si c'est un peu comme l'envie de faire pipi. Ouais. On attend toujours, on pousse encore pour aller chercher l'évidence. D'accord. En fait. Oui, au ça, c'est que tu nous as bien expliqué au début, hein, le fait d'attendre, d'être vraiment certain. Mmh. Donc, bah, écoutez, madame, hein, Fabrice à votre disposition, donc elle peut venir te consulter, sans souci. Un travail avec toi, un travail thérapeutique, ça dure à peu près sur quelle durée? Parce que c'est long de réapprendre à écouter son corps, ses émotions. Quelle durée, en moyenne, tu accompagnes les gens sur combien de temps? Alors, les deux ordres de grandeur, c'est 6 mois ou 1 an. C'est quand même minimum 6 mois, hein, ouais. Je pense. Voilà. Une personne qui a de l'ordre de 5-6 kilos à perdre, qui n'a pas des troubles du comportement alimentaire trop marqués, et voilà, qui a quand même parfois des tendances à avoir une envie compulsive pour calmer une émotion, je vais la suivre sur 5 mois, 5-6 mois. Une personne qui a plus de 7-8 kilos, je vais l'accompagner sur une bonne dizaine de mois pour reprogrammer aussi les comportements inconscients et faire un travail de fond. Oui, ça se comprend. Justement, j'avais aussi une autre question. admettons que j'écoute mon cerveau, je suis ta méthode, mais entre midi et 13h, c'est l'heure où je dois manger, mon boulot c'est comme ça, j'ai pas d'autre choix, et puis j'ai pas faim entre midi et 13h. Comment je m'adapte? Alors, effectivement, j'ai beaucoup de clients qui me disent, moi, je mange à heure fixe et où j'accompagne mes collègues. D'une part, parce qu'elles veulent profiter du moment avec leurs collègues. Oui, tout convivial, c'est une pause. Donc, moi, je dis toujours, il ne faut pas confondre la convivialité et la prise alimentaire. Donc, on peut parfaitement aller avec ses collègues et ne pas manger. Ça peut paraître surprenant, ça peut paraître... mais c'est... Être convivial tout de même, quoi. Tout à fait convivial. Mmh. Et quand mes clientes me disent « oui, mais je vais avoir faim dans la journée, je vais être très très mal », c'est une mal connaissance en fait du phénomène de la faim. C'est-à-dire que si on n'a pas faim à midi ou à 13h, il est très très peu probable qu'à 16h, on soit dans un état affamé. Donc il est possible par exemple à 16h ou 17h qu'il y ait une petite faim, un petit creux, et que ça puisse donner lieu à une collation, ça peut être une banane, des amandes, un biscuit. D'accord. Et après, d'attendre pour le dîner, voir effectivement comment la faim se manifeste. Donc ton petit conseil, ce serait toujours une collation avec soi, en fait. Par exemple, oui, bien sûr. D'accord, qui donne plus de flexibilité. Parfait. Tout à fait, voilà, tout à fait. Mais c'est surtout être rassuré sur le fait que c'est pas parce qu'il est l'heure qu'il faut. Oui. Ça, c'est encore très, très, très ancré. Il faut, je dois... Oui, oui. Et puis surtout, c'est la notion de les trois repas par jour, c'est l'heure du déjeuner, il y a du conditionnement pavlovien, hein. On écoute la cloche sonner et hop... On salive. On va manger. Non, là, le but, c'est vraiment de se reconnecter à ses ressentis. Ok. Et puis, je vais poser une dernière question, peut-être sur l'activité, puisqu'on est, là, j'ai l'impression, sur vraiment une hygiène de vie saine. Qu'est-ce que tu conseilles au niveau de l'activité physique? Tu en parles dans ton programme? Alors, moi j'en parle très très peu.
J'encourage les personnes à faire du sport, à faire de l'activité physique, mais surtout de le faire parce que ça leur fait plaisir. Moi, je constate encore beaucoup, beaucoup trop de fois où les personnes vont s'inscrire à la salle de sport au cours de cardio ou d'abdo-fessier, vraiment en disant, voilà, c'est la rentrée, faut que je m'insiste, donc faut que je m'inscrive. Il faut savoir déjà que sur la perte de poids, si on régule mieux ses apports caloriques, la plupart des personnes qui suivent ma méthode ne sont pas forcément des sportifs. Donc, le fait de faire cesser de faire cesser de rentrer des calories alors que le corps n'a rien réclamé va déjà permettre d'éliminer beaucoup. Ensuite, sur l'aspect sport, bien, j'ai dit, faites du sport comme un enfant a envie de faire du sport. Pour se défouler. Pour se défouler, pour le plaisir. Mais vraiment avec aucune attente, parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un mois, au bout de 2 mois, la personne se rend compte que ses espoirs de mincir grâce au sport ne sont pas au rendez-vous. Et du coup, ce rôle utilitaire du sport n'est pas rempli. Donc pourquoi faire? J'ai eu ce discours-là avec une personne justement hier qui disait « tous mes efforts ne payent pas ». Ouais. Et au final, on se décourage et on est peut-être trop, comme tu dis, dans l'attente du corps. On ne peut pas avoir des exigences sur son corps. C'est lui plutôt qui doit nous guider. Je crois que c'est une belle conclusion. Exactement. Donc, il faut vraiment y aller pour se faire plaisir et trouver un sport qui fait plaisir. Voilà. Fabrice, ça a été vraiment passionnant. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. J'espère que ça vous aidera beaucoup dans vos parcours de perte de poids, à vous faire confiance et voilà, à vous concentrer pas uniquement sur votre assiette, à vous faire avoir du plaisir dans la vie. C'est quand même génial, ça. C'est ça. Fabrice, à une prochaine. Merci à toi. Et puis, n'hésite pas, si tu as des événements sur Paris ou à me communiquer tout ça pour que je puisse les mettre également sous la vidéo. Très bien. Voilà, je pense que les gens peuvent te rejoindre sur Facebook aussi, je crois. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc sur ma page pro Facebook, Mincir, c'est dans la tête. J'ai aussi mon blog, donc c'est blog-mincir, c'est dans la tête, mincir-avec-coach.fr. Tout sera sous la vidéo. Et voilà, tout va être donné. Et mon site internet, www.mincir-avec-coach.fr. Bye bye. Au revoir.